Bonjour à tous, bonjour les enfants, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Annelise, pour ceux qui me connaissent, eh ben je n'ai pas changé. On va essayer de faire une petite activité sur le peintre Miro, Joan Miro, qui est espagnol. Alors, le matériel, un peu de peinture sur une palette, des pinceaux, de l'eau, ou alors des crayons feutres. Donc, on démarre. Hop, moi je suis le dessin. Je commence par le rond. Enfin, c'est un ovale, hein. Ballon de rugby plutôt. Un trait comme ça, un trait comme ça. Hop, on y va. Un petit trait. Je fais les yeux. Je reste toujours avec le crayon noir. Je changerai de couleur tout à l'heure. On peut faire plus épais, ça sera peut-être plus joli. Si vous n'avez pas de crayon noir, vous prenez une autre couleur, c'est pas gênant du tout. Voilà. On prend le bleu pour l'étoile. Alors, moi, je ne sais pas faire les étoiles. Miro, il les faisait bizarrement. Et tant mieux, comme ça, c'est plus original. Si vous savez faire, vous pouvez. Vous remplirez si vous voulez. Je prends le rouge qui est du orange, mais c'est joli quand même. Hop. Et vous continuez. Une petite tache verte ici. Hop là. Deux petits traits verts ici. Une boule ici. Une boule ici. Hop. On continue. Si vos parents sont d'accord, vous pourrez aller voir sur internet ce qu'a fait Joan Miro. C'était un peintre qui faisait de la peinture, de la sculpture, qui aimait beaucoup, beaucoup les couleurs. Et je trouve que ce qu'il faisait était formidable. Donc vous essayez et puis quand on se revoit, vous me montrerez ce que vous avez fait. Je serai très, très, très contente. À bientôt !